bienvenue dans ce deuxième YouTube Horror Show dans lequel on va décortiquer quelques vidéos de fantômes. Il y aura aussi des démons, des trucs bizarres, bon bref. En tout cas, toute cette vidéo, on fait le buzz. Allez, on se téléporte. Ça va chier dans les casseroles. Et me revoilà. Pour commenter un peu mieux la suite, je vais procéder à une transformation emoji. Allez, c'est parti! Comme je vous l'ai montré dans l'intro, c'est assez facile de faire une téléportation, même si cette vidéo est l'une des moins facilement explicables. Il y a déjà plusieurs choses. Bon, déjà la téléportation face à un impact imminent. Le fait que le mec arrive comme Flash, hein, il a vu la série ou bien. Qu'il a des mains lumineuses, là aussi je me demande, hein, mais bon. Mais ce qui me pose le plus grand problème, c'est... pourquoi le mec repart genre les mains dans les poches plutôt que repartir comme il est venu? Là aussi, cette vidéo est surprenante et difficilement explicable, même si je vous ai montré dans l'intro comment disparaître techniquement. Bien sûr, on ne connaît pas le contexte, mais pour faire une bonne disparition, rien ne vaut une image fixe. Dans ce cas, c'est peut-être aussi dû à la superposition de bandes d'enregistrement, mais bon. Ah, le parking et son apparition. Comme on peut le distinguer sur la vidéo, le bâtiment d'en face possède beaucoup de fenêtres. On peut voir cependant, si on fait attention, qu'il y en a assez peu sur le bâtiment de gauche. Cependant, on ne sait absolument rien du bâtiment sur lequel est posée la caméra. Ni même la géologie du lieu. Savoir si les murs avoisinants sont à tophon en calcaire ou en quartz, et pour ça, on va se faire un petit aparté scientifique. Des pierres composées de quartz ou de calcaire peuvent emmagasiner de l'énergie, quelle qu'elle soit, et la retranscrire à l'infini. Si les conditions sont réunies, mais dans ce cas présent, il est plus probable qu'il s'agisse de réfraction de la lumière d'une ombre, pouvant se situer à plusieurs mètres de là grâce à la lumière du soleil et bien sûr le nombre de vitres, même si on ne peut pas écarter le paranormal de l'équation. J'ai le droit de rire là ou pas? Bon, je l'admets, je suis de ceux qui pensent qu'avec des milliards et des milliards et des milliards de planètes non référencées, il est impossible qu'il n'y ait qu'une seule planète d'habiter, ou simplement d'habitable. Mais là... Pour prendre dans le cas présent de cette vidéo, hein, on dirait un alien de PlayStation. En quatre mots, du foutage de gueule. Ou merci.
Alors le coup des portes qui s'ouvrent et se ferment. Non mais c'est un grand classique. Suffit que le chambranle, et oui ce mot existe et c'est même pas sexuel, ne soit pas droit, oui le chambranle, et vous aurez une porte qui s'ouvre et se referme tout le temps. À part pour faire un porno pour serrurier, ben ça n'a aucun intérêt, circuler, y a rien à voir. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul! Encore une fois du foutage de gueule. On dirait des brumes qu'on peut avoir en gif, vous savez. Allez, suivant! Alors là, c'est juste le reflet d'un mec à côté en train de se taper la discute. Non mais sérieusement, on s'en fout là, non? Allez, suivez. Oh! Là, les amis, on appelle ça un reflet. Ou un truc de pixelisation sur la lentille. Bref, bon, du coup, j'ai rien d'extraordinaire à dire sur celle-là, donc j'en profite pour dire vive la raclette. Allez, suivant! Alors pour moi, et ce n'est que mon avis, on dirait un petit vieux qui marche, sérieux, vu de nuit avec une qualité de merde. La pixelisation et la surexposition d'une vidéo tournée la nuit, bah ça fait du dégât. Non mais regardez le mur de gauche, il est totalement blanc, sa mère! Allez, suivant! Mets un pouce vert si toi aussi tu vas pisser la nuit en peignoir. Parce que c'est exactement ce qu'on voit. Non mais sans déconner, rien de paranormal, juste une qualité de vidéo de merde qui peut faire croire à une ombre. Voilà.
Alors celle-là, elle est connue. Si on zappe un peu le côté ange, au début, ça me faisait penser à un éclair. Mais un éclair, ça repart pas sur le côté. Et ça ne laisse pas non plus une espèce de forme bizarre qui ressemble à un corps. À moins d'avoir été fait en post-prod, je ne vois absolument pas ce que c'est. Dites-moi en commentaire si vous avez un avis. Ça ferait zizir. Oh mon God! Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que ces verres? Mais ces putains de verres, pardon. Bon, certaines caméras ont ce rendu de nuit, mais moi, quand on met du fond vert, eh ben, j'use le fond vert. Désolé. Tina Shadow? What is that? Is that a head? What is that? I really, really want to go in there, but I don't think it's safe for just me to go in there. Like, prenez comme ingrédient un petit peu de flou, un mannequin squelette d'Halloween qui fait coucou, et paf, ça fait des chocs à fantômes. On arrive à la dernière. Eh oui, celle-là, c'est sûr, c'est un vrai fantôme. Non, je déconne. Un costume blanc, une perruque et hop, c'est très facile à faire. Il s'agit bien évidemment de foutage de gueule. Voilà! Voilà, c'était Shodan the Faux-Fondant. Si la vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire. Le petit pouce du bonheur et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Je tenais à remercier quand même MacGyver pour le prêt de la caméra, hein, quand même. Merci, merci, elle est gentille, elle est bien. C'était Shodan the Faux-Fondant, toi-même tu me connais, allez bye!